qui n'est pas le 89 parce qu'on l'a déjà vu, mais le 90. Le 90, c'est Immune de la Brunie, fille de Jeux Saint-Éloi, qu'on retrouve très représentée cette année autour de, dans ce ring, sur cette piste de la Teste, Jeux Saint-Éloi, qui, je vous le rappelle, officie aujourd'hui à l'Orax-Cercy, dans la Nièvre, qui portait la casaque pétrée. La mère Attica de la Brunie par Subotica. Les talons qui fait peur. Attica de la Brunie, donc, a gagné. A eu un obstacle. Et elle est devenue mère bonne coulinière, puisque mère de Hélios de la Brunie, gagnant du Prigent des Roches à Bordeaux. C'est aussi la famille de Iris de la Brunie, puisque Attica de la Brunie est une sœur de Iris de la Brunie, gagnante du Grand Prix des Anglos. Et puis on retrouve Maline Aloha Gold de la Brunie qui vient de s'imposer. Qui vient de s'imposer encore à 4 ans cette année, vainqueur de l'Omnium des Ducs des Anglos, du Grand Prix d'Aquitaine, un très bon cheval. Hein. La famille aussi de Duc de la Brunie, qui lui a remporté le Stick National des Anglos à Bordeaux. 164 000 euros gains pour Duc de la Brunie. Voilà une vraie souche, hein. Une vraie souche, surtout une vraie souche d'obstacles. Ça, c'est intéressant. Et c'est dans cette perspective évidente que Jacques Cousiac est allé chercher Jean Saint-Éloi, qui lui est un pur cheval d'obstacles par Saint-Messin, et Autolina, la main heureuse de la famille de Balco. Voilà, donc perspective obstacle direct pour cette Immune de la Brunie, le 90, présenté par Jacques Cousiac, né le 14 mars avec 15% d'anglais.